Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je propose trois recettes d'été légères, faciles et réalisées en très peu de temps. Alors, on commence la préparation. Alors, j'ai pris trois goustailles, je les coupe finement avec deux courgettes en petits cubes. Entre-temps, j'ai laissé un poivron vert grillé sur feu assez moyen. Et vous pouvez aussi utiliser l'aubergine à la place de courgettes. Ensuite, je mets le tout dans cette poêle dans laquelle j'ai ajouté un peu de l'huile d'olive et je la laisse cuire sur feu doux à couvercle pendant quelques minutes en remuant de temps à autre. Et pour l'assaisonnement, j'ai ajouté un peu de sel, de poivre et du thym sec en poudre. Entre-temps, je prends le poivron grillé, je le nettoie, je retire la peau. Évitez de le laver pour garder le bon goût fumé. Alors une fois terminé, je coupe la moitié en longueur et l'autre moitié en petits cubes. Après 2 à 3 minutes, elle est bien cuite, je vais éteindre le feu et je la laisse refroidir. Je coupe la tomate en petits cubes après l'avoir épluchée. Pour préparer une petite salade de riz, je fais de même avec un oignon, je vais juste utiliser la moitié. J'ai aussi coupé la coriandre fraîche finement. Dans ce petit bol, je vais préparer la marinade. Je mets les deux, la coriandre avec l'oignon. J'ajoute dessus un peu de sel, de poivre, de cumin et de l'huile d'olive. Et je mélange bien. Voilà, dans un récipient, je mets le riz et j'ajoute dessus une boîte de thon, la tomate et poivron avec ce mélange de marinade. Et je mélange le tout. Vous pouvez aussi ajouter autres légumes de votre choix, le maïs, les olives, selon ce que vous avez. Pour la salade courgette, je la décore avec les olives violettes, avec le poivron vert que j'ai gardé à l'avance et quelques morceaux de fromage triangle à tartiner. Bien sûr, c'est facultatif, mais ça donne un très très bon goût. Pour la troisième et la dernière petite salade, je râpe les carottes. Après l'avoir épluché. Ensuite, j'ajoute dessus 1 litre de jus d'orange. Servez-la froide, riche en vitamines, rafraîchissante, en la saupoudrant avec un peu de cannelle. Et c'est selon le goût. Et voilà, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser un petit commentaire. Je vous remercie de suivre la vidéo et je vous retrouve prochainement.